Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Khadi de Diditerang et Sénégal. Ravi de vous retrouver comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner et de liker à la fin de la vidéo si elle vous a plu. Alors ce dimanche, j'étais à l'île de Gorée, raison pour laquelle j'ai voulu vous faire un vlog de découverte, histoire de redécouvrir, car j'avoue que ça faisait super longtemps que je ne m'étais pas y aller. On va dire ça, moi-même je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on peut rester à Dakar plus de 6 ans sans aller à l'île de Gorée. Je ne sais pas si ça arrive à beaucoup de gens, mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Donc peut-être c'est par oubli. Bon, pour ma part, c'est par manque de temps. C'était par manque de temps. Peut-être pour d'autres, c'est par oubli. Ou pour d'autres raisons, tout simplement. Mais sachez qu'à Dakar, il y a plein d'endroits à visiter, à découvrir. Alors, même si ce n'est pas à Dakar, même dans les régions, il y a le Sin Saloum, l'Ampoule. Il y a également le Cap Skirin et tant d'autres. Et là, sur les images, nous sommes arrivés au port maritime de Dakar et direction l'embarcadère pour prendre la chaloupe qui va nous amener à Gorée. Donc à tout de suite. Salam salam, Khadi de Terang Sénégal. J'espère que vous venez ici. Voilà, le nak bu len faté abonné wu ci sama chaîne nak moy tax mé len di mëna indi le contenu tous les jours ñu ngén sét ané vidéo bi bu len ko faté aimé nak moy tax di béré mën sé jot dimanche passé ma ngi won Gorée mo tax ma def ra len ben vlog histoire de découvrir wan len Gorée parce que yag na déw ma fa sax sa ba jëpp 6 ans déw ma Gorée aussi ma remarqué les filles à Dakar ou même ma de façon plus générale, Sénégal, il y a des endroits où on peut les fêter. Pourtant, il y a des endroits où on peut les découvrir, où on peut les faire. Même si on est dans le Gorée, il y a des endroits qui régionnent. Tu mets les Sin Saloum, l'Ampoule, Cap Skirin, Tambacounda. Tout ça, il y a des endroits où on peut les visiter, où on peut les découvrir. Et mën nañu ko té lu gëna yomb lo xamné tay ji mën ko won voyager dem benen dëkk peut-être dépenses ñuy def moorum ëpp bu ñu nekké bu ñu toggé à Dakar wala dem région def ay découvert donc n'empêche alors là yexi nañu embarcadère ñu ñu waji dem ci li chaloupe bi pour dem Gorée donc ma leen di wax à tout de suite.
Oui, c'est ici. Et comme vous pouvez le voir sur les images, nous avons terminé la journée avec la visite de la maison des esclaves. Et il y a des guides sur place qui vont vous expliquer comment est-ce qu'ils vivaient. Voilà. Heureusement que nous avons terminé par ça, car après avoir expliqué l'étroitesse des chambres, par exemple, 15 à 20 personnes dans une chambre non aérée, attachée, etc., ça fait mal. Sinon, ça a été une très belle journée. Aussi, pour ce qui est de la restauration, il y a pas mal de restos. Nous, on a donc finalement choisi de manger chez Tonton. Donc, on a choisi au hasard. Et la bouffe était excellente. Donc, vous pouvez tester ou bien tester d'autres restos. Ça dépend de vous. Et pour ce qui est aussi de l'hébergement, vous avez des auberges là-bas, des hôtels pour vous reposer. Vous pouvez prendre le week-end, la journée, ça dépend de vous. Et la plage également, elle est super propre, très propre, sécurisée. Et voilà, très bien entretenue. Et voilà, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Nous avons une visite à la maison des esclaves. Nous avons fait des guides qui nous expliquent comment nous avons des chambres, etc. Heureusement, comme nous l'avons dit, nous avons fait des parce que je sais que nous avons ce jour n'est pas. Mais à part ça, les poulets, restauration, les cubis et tout, chez Tonton, le Moulinke, les cubinaires, cette plage, mais aussi comme nous avons dit, cette entretien, il y a des auberges, des hôtels, si vous voulez venir en week-end, même si vous voulez passer la journée, vous avez des auberges, etc. Donc, il y a des gens qui sont réservés. En tout cas, ça a été une très belle journée dans l'ensemble. Nous filons des tagos. Nous nous donnons rendez-vous très prochainement. Blend blog, blend découverte. Au revoir.